Europe 1 Bonjour, Raphaël Duchemin. C'est l'heure du petit coup de patte quotidien avec vous, Nadia. Oui, alors il fut un temps où je passais mes dimanches à me demander à quel moment c'était une bonne idée la veille de crier tournée générale dans un bar de motards. J'avais des dimanches de trentenaire insouciante et à découvert. Maintenant que s'amorce la douloureuse pente vers la quarantaine, j'ai des dimanches de vieux. Je me lève à 8h, j'achète un poulet et j'écoute les émissions politiques en payant mes factures. Ce qui m'a permis d'entendre en direct l'interview de Jean-Michel Blanquer et de me poser une première question. Pourquoi avoir choisi pour ministre de l'éducation un homme dont la caractéristique principale est qu'il fait peur aux enfants? C'est pas de sa faute, hein, mais le rapport texte-image est un peu étrange. Ceci étant dit, j'ai quand même dû vérifier qu'on était bien en 2017, car Blanquer a égrené un certain nombre de mesures dont on peut dire pudiquement qu'elles sont un peu anachroniques. Il a d'abord confirmé l'interdiction du téléphone portable dans les collèges et dans les lycées dès la rentrée 2018, alors qu'il me semble un peu plus urgent de confisquer son portable à Claude Lelouch. Ça lui évitera de faire des travelling pendant les obsèques. Il s'est aussi prononcé pour le port de l'uniforme pour les écoles qui le souhaitent. On peut, comme moi, militer contre la mode de claquettes chaussettes et estimer que le port de jupes lissées et du bleu marine, c'est pas exactement ce qu'on peut appeler une disruption. Enfin, il a également décrété que les mères voilées ne devraient pas accompagner les sorties scolaires, ressuscitant ainsi une polémique de 2012 et qu'on croyait tranchée par le Conseil d'État. Alors pourtant, tourner l'école vers l'avenir et non le passé est une priorité. Un exemple personnel, le projet éducatif de la classe de ma fille consiste à faire pousser un haricot dans du coton, ce qui était bien du temps de René Coty, mais peut-être un peu dépassé aujourd'hui. Alors à tous les profs qui veulent des moyens, du personnel, de la mixité sociale et du matériel pédagogique, samedi prochain, je paye ma tournée. Ah chouette, on en a de la chance. 6h57, c'était le coup de patte de Nadia Dame, juste avant l'arrivée de Patrick Cohen. Europe 1.